D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo. Hein. Donc là, on se retrouve pour un petit pack opening et quelques attaques. Donc là, j'étais avec un deck spécial, je vous dirai pourquoi juste après. Donc ouais, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas sorti de petite vidéo, j'ai pas eu trop le temps. Et aussi, il y a certains. Enfin, je cherche aussi des GFX de temps en temps pour des miniatures. Donc, si vous êtes GFX, n'hésitez pas à me contacter parce que des fois j'en ai besoin. Mais là, c'est bon, j'ai trouvé. Donc, c'est pour ça que la vidéo sort. Mais donc, aussi, ouais, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Parce que c'est vrai que sur Clash Royale en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'idées de vidéos. Apparemment, Brawl Stars, le jeu qui est sur iOS pour l'instant, va peut-être sortir sur Android. Donc, s'il sort sur Android, peut-être je ferai des vidéos dessus parce qu'il y aura plus de monde qui va regarder, qui sera plus intéressé. Et qui voudra peut-être avoir des astuces sur ce jeu. Donc voilà. Donc la petite pack opening, on a eu un coffre de clan niveau 3. Donc il y a encore une fois pas grand monde actif. Et je crois d'ailleurs que le coffre a déjà commencé, non? De la saison prochaine, je sais pas. J'ai aussi le défi du combat miroir 2v2. J'ai fait 0 victoire. 0 victoire. Donc c'est pas ouf. J'ai aussi les quêtes. J'ai rien de spécial pour l'instant. Par contre, ouais, j'ai un coffre épique. Lancer 3 mousquetaires. Jouer 10, 3 mousquetaires. Donc ouais, j'ai fait une attaque, j'ai eu 3 couronnes, je crois que c'est ça. Ouais, j'ai 3 couronnes, du coup ça m'a fait 3 couronnes. Mais si je refais, on va peut-être tenter d'avoir 20 gemmes et 20 points de quête. 50 sorts. Ça roule. Donc ouais, j'ai eu ce deck là, mais comme je vous ai dit là, à l'instant, pour la quête. Mais du coup, on reprend ce deck. Alors, allez, c'est parti. Donc par contre, ouais, j'ai pas de bons coffres. Hein. Mais c'était surtout pour vous parler, pour faire une vidéo, pour vous parler pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo, quelles seront les prochaines vidéos, etc. Voilà, vous dire que... Donc 84 d'or, attendez, je vais finir le coffre. Une pierre tombale et 12 esprits de glace. Donc voilà, vraiment pour vous dire que... j'ai pas trop d'idées de vidéos sur Clash Royale, mais s'il y a une Brawl Star, enfin c'est le jeu Brawl Star, sort sur Android, ben je ferai sûrement une vidéo dessus. Enfin plusieurs d'ailleurs vidéos dessus. On va faire ça d'ailleurs, allez. Petit coffre de défi. 130 d'or, un chevalier, un gobelin, ça roule. Donc ouais, il n'y a rien de nouveau pour l'instant. Bon, ça va arriver ce week-end, je pense, ça va arriver peut-être demain. Quoi qu'on est jeudi soir déjà, il n'y a rien, donc c'est bizarre. Coffre d'argent, allez, c'est parti. On va attaquer, on va faire quelques attaques après. 72 d'or, un bélier de combat, 12 gobelins. On va assez vite parce que c'est des coffres assez basiques. Coffre de clan, pareil, il n'y a que 6 rares, pardon. Alors, 360 d'or, 13 gobelins. 40 esprits de glace, 6 cabanes de barbares, une épique. Oh, une petite épique quand même. Hein. Coffre de clan niveau 3, on a une épique. Un mini PK. Un PK, pardon. Ensuite, allez, coffre en argent, le dernier. 84 d'or, un géant. Oh, bientôt niveau 11, ça c'est cool. Ben, on le montrera en vidéo, tiens. Géant, par contre, ça coûte. Donc, 12 géants royal. Par contre, ouais, ça... j'en ai eu qu'un d'ailleurs. Géant, c'est pas ouf. Mais ouais, ça coûte 5000 d'or, donc faut que je l'économise l'or. Puis après, dès que je peux, je l'augmenterai en vidéo à un niveau 11 sans souci. Ça coûte 5000. Allez, coffre en or. Coffre en or, 271 d'or. 5 mortiers. Un géant, encore une fois. Ok, bah plus que 2 et puis on pourra passer au niveau 11. Il faut juste que j'économise l'or. 3 golems de glace. Et 32 zap. Ça roule. Allez, coffre à couronne. Dernier petit coffre. Ah, j'ai 30 000 d'or pile. Bah, là, du coup, j'en ai 30 592. Ensuite, on a 2 gemmes. 3 valkyries. 5 machines volantes, bientôt niveau 8, on se rapproche. 73 gangs de gobelins, peut-être une épique. Oh yes, j'allais dire yes, mais bon, en fait, c'est une petite épique, tournade, c'est pas ouf. Mais bon, ça reste une épique. Donc là, ouais, on va attaquer avec ça. Comme ça, si on a les limites, si on a assez de couronne, on aura des gemmes et des points de quête. Donc c'est toujours ça de gagner. Même si là, quand j'ai attaqué, avec ce deck-là, avec les 3 mousquetaires. Le début de partie était très très mal parti, puis après l'adversaire s'est déconnecté ou il y a eu un bug de co. Et du coup, j'en ai profité. C'est vrai que c'est assez chaud avec ce deck là parce qu'il vaut assez cher. Enfin, il vaut assez cher, il vaut 3,9 d'élixir, ça va, c'est pas très cher, mais c'est assez chaud parce que je le gère pas trop. Donc là, bourreau, on prépare le feu à gobelin peut-être. Oh là là, ça c'est chaud déjà. Mince. Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça. Et ça. Nickel. Et par contre, mon feu gobelin, il est parti en haut là. Et enfin, il a rien fait quoi. Il a fait aucun dégât. J'ai lancé sans faire exprès.
Il n'a fait aucun dégât. Donc là, 1000 de dégâts sur ma tour. Faut que je fasse attention. On va mettre les 3 mousquetaires ici. Donc il n'a pas la boule de feu, ça c'est pas mal déjà. Ça c'est intéressant. Mais après le reste. Allez, on tente le feu gobelin. Oh, ça va être chaud, ça va être chaud. Ça va être chaud le feu gobelin. Ah, c'est pour ça que. Il a la bûche. C'est pour ça que tout à l'heure le feu gobelin fait aucun dégât, c'est parce qu'il a la bûche. Et donc là, ouais, je peux mettre le. Enfin, je peux mettre le gang, mais il sert à rien. Le gang de gobelin, il sert à rien du tout parce que là, il y a le bombardier. Du coup, on va mettre le bourreau. Hein. On va mettre le bourreau. Donc ouais, comme je l'ai dit, c'est un deck plutôt difficile. Ok, super, il a le sorcier. Il a jamais mis le sorcier, mais le maintenant. Du coup, bah ouais, ça sert à rien. Enfin ouais, le bourreau là, il est inutile quasiment. Allez, 1000 géants en plus de ça. On arrive à 1 minute. Donc je vais peut-être tester là, parce qu'on arrive à 1 minute, du coup, c'est l'extra x2. On va peut-être... Ouais, d'accord. Je n'ai rien dit. Super, bon, on est sur une défaite. Donc ouais, faut que je trouve un deck, un bon deck avec le 3 mousquetaires pour essayer de réussir cette quête. Alors sinon, je changerai de quête, mais bon, après, il me reste 7 couronnes à avoir, donc c'est pas non plus extraordinaire. Je peux tenter, je pense, d'essayer, mais voilà. C'est vrai que ça peut être intéressant. Donc là, je vais avoir une tour, je pense. Même pas. Même pas de tour quoi. Il reste 15 secondes, j'aimerais bien avoir une tour. Ah d'accord, 3-0. Je vais bien avoir une tour voilà, pour bien avoir une couronne. Comme ça m'aurait fait 4 couronnes sur 10 et pour avoir les 20 gemmes. Mais je pense que je vais réussir parce que c'est une petite quête encore. Ah j'en ai juste. Jouer 10, 3 mousquetaires. Ah il faut juste les lancer en fait, c'est tout. Ah mais ok, c'est rien en fait. Faut le lancer le plus de fois possible en fait dans le jeu. Ouais, en fait c'est rien, mais je le ferai sans problème. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo avec un petit pack opening. Vraiment, bon, alors il était pas ouf le pack opening, mais je vais essayer de vous faire des bons petits coffres. Je regardais sur Stat Royale les prochains coffres qui vont arriver. Et puis on se fera ça. Donc voilà, apparemment Brawl Stars devrait bientôt sortir sur Android. S'il sort, ben, il y aura sûrement plus de vidéos dessus. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle vidéo vous voulez que je fasse sur Clash Royale. Des petites idées, ça pourrait être sympa. Je sais qu'on m'a dit une vidéo troll, bah ben, pourquoi pas, ça peut être cool. Après des vidéos dans le clan, je crois, ou je sais plus. Enfin, n'hésitez pas à me redire aussi, hein, pour que je prenne les idées sans souci, je regarderai et je reprendrai les idées s'il y en a qui me plaisent. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, comme d'habitude, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao!